Voilà, ne faut lire pas ça dans la parole de Dieu, pour encourager nous les uns les autres, pour faire une réflexion de la prière. Nous pouvons lire dans Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 5, verset 23. Plus tard, après, nous pouvons faire l'onction d'huile. Voilà, pour ceux qui croient que Jésus guérit, certainement. Amen. Voilà, nous pouvons lire Éphésiens chapitre 5, verset 20. Allez, nous lire verset 22. Allez, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Nous en les prières aujourd'hui, nous pouvons faire mariage, hein? D'accord? Ok, là? Voilà. Verset qui vient pour retenir nous. La Bible dit, bon, madame, soumette avec Marie, parce que le mari est le? Comme SF. Comme Christ est le? Chef de l'Église. Qui s'en a qui chef de l'Église? Qui s'en a? Vous n'avez pas votre père pour dire, c'est Jésus qui est le chef de son Église et dont il est le corps. Celui qui est chef, c'est Jésus. Amen. Il est le chef de son Église. Pendant aucun chef, et ainsi c'est un seul chef, c'est Jésus. D'accord? Que Jésus est le chef de son Église. Et c'est lui qui bâtit son Église. Amen. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Ne nous rendons bâtiment, mais c'est Jésus qui bâtit son Église. Amen. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Vous connaissez dans ce bon temps difficile-là, l'Église peut continuer à aller de l'avant, parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. D'accord, hein? Voilà. Pas oublier ça, il ne faut pas nous dire, mais comment l'Église peut aller, comment l'Église peut subsister. Mais non, c'est lui qui est le chef. Et celui qui bâtit son Église. D'accord? Et fait une autre chose. Et il y a quelqu'un qui n'est pas content que l'Église ait bâti. Ça te connaît que ça n'a? Nous d'accord que c'est le diable qui n'est pas content que l'Église ait bâti. Tu vois? Alors, il faut faire tout qualité qu'il chose pour que l'Église apparente dans le plan de Dieu. Tu vois? Bon Dieu a un plan pour son Église. Alors, le diable, il faut faire tout qualité qu'il chose. Tu vois? Eh bien, pour que le plan, l'Église va rentrer dans le plan de Dieu. À cause de ça que nous, ben chrétiens, nous besoin redoubler d'efforts, nous besoin prier, frères et sœurs, afin que l'Église continue, que mon Dieu lui fasse continuer, faire son œuvre dans son Église. Bien continuer, pas laisser aller. Nous besoin redoubler d'efforts, frères et sœurs, la prière, afin que Dieu répande sa bénédiction, l'Église. La Bible dit persévérer dans la prière, persévérer, pas arrêter, persévérer dans la prière. Tu vois? Car c'est à cela que Dieu fit appel nous. Donc continuez à persévérer pour que Dieu continue à faire son œuvre. Amen. Alors tu es là, moi tu peux dire aux autres comme aux autres connaît. Eh bien, le diable, il a comme un loup, il l'a pour égorger, ça c'est le l'œuvre, ça. Il a frère et soeur pour détruire. Tu vois? À cause ça, donc, nous connaissons Jésus, nous venons pour donner la vie en abondance. À cause ça, nous, chrétiens, nous devons prier. Prier pour l'Église. Amen. Prier pour que l'Église, frères et sœurs, prier pour que, eh bien, donc, ce qui finit briser, y être réparé. Nous devons prier, nous ne pouvons pas juste condamner, critiquer. Non, ça, c'est l'œuvre du diable. Nous devons prier pour que ce qui est cassé, nous devons être réparé. Amen. L'apôtre Paul dit à nous, il y a un passage qui donne nous un conseil. L'apôtre Paul dit à nous comme ça dans Corinthiens, en ce qui concerne les dons spirituels. Il dit à nous comme ça, celui qui parle en langue, parle à Dieu après. S'édifie lui-même, ne s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, édifie l'Église. Amen. Donc il y a un travail d'édification. Tu vois, qui bon Dieu fait un appel nous pour nous faire. Donc Dieu appelle nous tous pour, eh bien, édifier. Édifier, ça veut dire
rangé. Ce qui est détruire. Tu veux, par exemple, la case, il vient bien édifier un édifice. Tu veux édifier, dit, bâtir une maison édifiée. Tu veux, ça veut dire, il vient mettre en correct, comment le dire, et vient faire ça, une situation qui est brisée. À cause ça, ce matin, nous bisons prier pour l'édification du corps de Christ. Ou bisons prier pour l'Église. Amen. Pour l'Église soit édifiée. Tu vois? Parce que le diable est là pour faire du temps ou même faire du mal. Tu vois? À cause ça, donc, ce matin, si nous là, pas aujourd'hui, mais tous les jours, prier pour que l'Église de Jésus-Christ soit une Église solide. Prier. Parce que l'œuvre du diable, il va te casser. Tu vois? Il va te faire du tort, frères et sœurs. L'idée que l'Église, eh bien, dans l'île Maurice, soit une Église, bon, bien prier pour que l'Église soit solide. Tu vois? Eh bien, les resplendissants, frères et sœurs. Tu vois? Nous bâtir, nous pas détruire, nous bâtir pour que le royaume de Dieu y avance. Tu vois? Ça, c'est nous la prière de tous les jours. Tu as l'air quand on va aller, prends sa requête de prière-là. Donc, eh bien, prier, il y a tellement de divisions, on va remarquer, tellement cassé, partout est cassé. Tu vois, il y a division partout, tu vois, il y a donc, eh bien, division, il y a discorde, tu vois, partout, dans tout coin, l'île Maurice, cassé, partout est cassé. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Parce que Jésus bâtit son Église. Et nos responsabilités, nous visons édifier l'Église. Bâtir l'Église, prier pour que l'Église soit solide, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, alors, parce qu'on aurait dit aux autres, le diable, il refait tout. Eh bien, frères et sœurs, pour faire du mal à l'Église, vous mettez des autres, vous mettez division. N'a pas su bonne division. Pas su n'importe qui s'en a. Parce que ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Bon Dieu, nous met tout là. Alors, priez pour que Dieu, eh bien, pour que l'Église soit édifiée. D'accord? Nous ne bâtissons à nous. D'accord? Nous ne pas diviser à nous. Amen? Alors, c'est important que nous, eh bien, nous prions ensemble, prions toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen? Voilà. La parole de Dieu dit, montrez-nous, quand on a un petit peu dit aux autres, le diable, eh bien, il est là pour détruire. Vous voyez? Il est là pour faire du mal, du tort. Alors, nous connaissons ce plan, nous pas rentrer dans ce plan, nous rentrons dans le plan de Dieu. Ensemble, la Bible dit, levons-nous et bâtissons. Amen. Et puis, il y a un autre sujet de prière, moi, c'est les autres pour nous tous. L'apôtre Paul, il finit dire, écrit un passage dans 1 Corinthiens, les autres, vous avez appris à vous aimer les uns les autres. Je n'apprends pas. Le Seigneur vient prendre pour compte en nous, les uns les autres. Amen. Amen. Donc, nous devons apprendre pour compte en nous, les uns les autres, parce que le diable, eh bien, il y a des fois, il y a un problème, difficulté, il y a une contrariété. Mais ce n'est pas toujours le diable qui la cause là-dedans. Il y a des fois, si nous avons un problème, c'est parce que nous ne sommes pas capables de compte en nous les uns les autres. La Bible dit, aimez-vous les uns. Demande le Seigneur, nous ne pouvons pas compter en nous les uns les autres. D'accord? Ça doit être le sujet de nous, la prière. La parole de Dieu lui montrait donc, eh bien, le diable dit, pour trangler, faire du mal, du tort. Mais seulement, eh bien, rappelez-vous, nous devons apprendre, nous. Nous ne pouvons pas être destructeurs, nous. Nous devons apprendre pour compter en nous les uns les autres. Priez pour que nous soyons capables de compter en nous les uns les autres. Pour que l'amour de Dieu lui tend nous les cœurs, lui presse dans nous les cœurs. D'accord? Amen? Ça, c'est un bon sujet de prière. Tu vois? Alors, comme ça, donc, ce matin, alors, un autre sujet de prière, c'est qu'il nous rappelle quand nous prions les uns pour les autres, quand nous prions pour que Dieu vienne donner nous son amour, qui augmente en pleine connaissance et intelligence, ça veut dire qu'il nous fait rebâtir à nous. Amen? Tu vois? Nous fait bâtir. Et bien, frères et sœurs, donc tout va être constructeur. Amen. Et comme ça, et bien, quand on a l'amour, on a la paix. Amen. Quand on a l'amour, on a la division.
Vé, quand il y a un pharisien, ça ne va pas à ce côté. À quoi ça donc, Paul y encourage nous, afin qu'il nous prie. Vé, nous avons compte en nous, les uns, les autres, et nous faisons un point d'honneur pour qu'ils nous vivent en paix. L'Église était en paix, parce que tu as l'amour dans l'Église. Quand l'amour, quand l'amour, qui prenne la guerre, et pas pour le profit. Là, le Père donne coup de main à l'adversaire. À cause de ça, bon, nous demandons le Seigneur, si nous prenons l'amour au Seigneur, de dire, Seigneur, mon peine à l'amour pour mon frère et soeur, donne-moi ton amour, remplis-moi de ton amour, et bon Dieu, pour remplis-nous de son amour, et nous pour vivre en paix. Amen. D'accord. Ça, c'est un sujet de prière qui nous met les autres, les cœurs frères et soeurs. D'accord. Et puis, nous avons prié pour que l'Église grandisse. Ne pas juste prier pour nous l'intérêt personnel, pour nous gagner une bénédiction dans nous, la vie. Nous devons prier pour la croissance de l'Église. La nuit vient, allez. La nuit vient. Personne pas vous travaille. Personne pas vous prier. Tu vas plus trop tard être la même situation là qu'on a été. À cause ça, donc, nous, ben, peuple de Dieu, nous devons prier pour la croissance de l'Église. Croissance là, au départ, division permanent. Tu vois, si nous tous nous donnons coup de main, nous prier pour que l'Église grandisse, croître, faire et soeur par l'assistance du Saint-Esprit, eh bien l'Église est pour croître. Amen. Et Moré Diazot, Jésus, qui est le chef de l'Église? C'est là? Pas moi. Amen. Pas moi. C'est Jésus qui est le chef. Amen. Alors donc, prions pour que l'Église, eh bien, l'y croître. Vous pouvez prier pour la croissance de l'Église. Pas juste prier pour croissance ou bénédiction personnelle, parce que vous faites partie de l'Église. Priez pour la croissance de l'Église. Amen. Vous connaissez, quand nous lisons la Bible, nous remarquons qu'il y a un problème là, il n'est pas nouveau. Un problème qui nous paye gagner, c'était là. Malheureusement, il n'est pas nouveau. L'apôtre Paul, un jour, il écrit dans Corinthiens, il fait une vie devant un chrétien, il ne fallait pas garder les yeux dans les hommes. Dans les hommes. Dans Corinthiens, il dit, eh bien, ben là, moi pour Paul, moi. Non? Après. Moi pour Pierre. Moi pour Cephas. Moi pour un tel. Le problème là, c'est en avant. À cela ici, le problème là, il continue, frères et sœurs, parce que trop bonnes chrétiens, l'homme. Quand on fait cause l'homme, c'est l'homme de Dieu, serviteur. Tu vois? Alors, je focalise, frères et sœurs, eh bien, je te lisais sur un homme. Mais ça, cet homme-là, ça, cet homme qui est serviteur du Seigneur. Tu comprends, frères et sœurs? C'est un mot pour vous autres. C'est Jésus qui nous veut garder de lisier. Trop, ben chrétien, je te guette les hommes, un tel comme ça. Tu vois? Alors, nous rappelle que, eh bien, frères et sœurs, de l'Église, donc, eh bien, c'est Jésus qui est le Christ. Qui est le chef. Tu vois? Alors, donc, l'Église, m'aurait dit pour rappeler les autres, et qui est important, donc, eh bien, l'Église, mais l'Église, bon, fin appel à un serviteur des hommes. Mais seulement, ce sont des serviteurs. Amen. Pas plus que ça, pas moins que ça. Ça va dire, on n'a pas comme moi, comme les autres. Nous, ban serviteurs. Nous, les autres, pas plus que ça. Tu vois, l'apôtre Paul dit, mais qui Apollos était? Qui Pierre était? Qui moi était? Ban serviteurs. Qui vont dire, fin choisir pour travailler avec lui. Nous travaillons avec le Seigneur, nous. Amen. Après, c'est tout. Alors, il ne faut pas nous croire un tel. Nous lisons le lit. Nous calomnions le lit. Non. Parce que la Bible dit ça, c'est une erreur. Que m'aurait dit à les répéter, les répéter. Et répéter tous les siècles, ça. La faute Paul dit un man serviteur. Je planté. Après. Un planté. Après. Un arrosé. Après. C'est ça qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. C'est ça qui nous a guettés. Celui qui grandit,
D'accord, les frères et sœurs? Gardons les yeux sur Jésus. À cause de ça, donc, eh bien, nous le disons quand nous autres prions pour l'Église, prier pour sa croissance. Alors, frères et sœurs, nous rappellent, eh bien, que la croissance pas dépend des hommes. La croissance pas dépend des plus grands hommes. L'apôtre Paul, c'est un des plus grands apôtres, mais la croissance pas dépend de lui. La croissance dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. L'Église croissait par l'assistance du Gardez les yeux au Jésus. Priez pour vos serviteurs. Bon Dieu ne servit les autres. Vous voyez? Alors, vous avez l'importance, vous avez l'importance pour la croissance de l'Église vis-à-vis autres. D'accord? Parce que bon Dieu donne serviteur, donne ministère pour l'édification de l'Église. Priez, frères et sœurs. Donc, eh bien, pour que, eh bien, bon Dieu bénisse vos serviteurs. Mais seulement c'est Dieu, c'est Jésus qui est le chef. Mais la personne qui est indispensable. D'accord? Personne n'est indispensable. Moi, je ne suis pas indispensable. Nous venons, nous allons, nous. Mais nul n'est indispensable. Nous, ce qui nous a besoin, c'est Jésus. Nous, nous allons, mais lui, il est resté. Raison, hein? Vous pouvez? Alors que ça, ce matin, nous prions pour la croissance de l'Église. Pour que l'Église, lui, grandisse, lui, croître. Amen. Priez, frères et sœurs. On va mettre ça aux autres les cœurs. Nous sommes dans un temps difficile, pénible, contraire. Alors priez pour que l'Église l'y croître, frères et sœurs. Amen. Priez pour qu'il y ait des âmes sauvées. Amen. Priez pour qu'il y ait des âmes sauvées dans les cœurs, le Seigneur. D'accord, les frères et sœurs, priez pour famille. Non, priez. Il y a tellement d'âmes dans ce monde-là pour qu'on donne dans les cœurs au Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour qu'il y ait eh bien, dis-moi, donne-nous les cœurs au Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient. Voilà, priez. Aussi associés. Vas-y, Dieu, mais priez. D'accord? Amen? Voilà, pour qui nous avons besoin de prier. Priez pour qu'il ben, on les dit donc, eh bien, ben, nous, ben, croyants, nous venons ben, véritables disciples de Jésus. Nous, enfants de Dieu, mais seulement nous devons être ben, véritables disciples de Jésus. Qui Jésus dit? Faites des nations. Disciples suivent Jésus. Par nature, nous enfants de Dieu. Mais c'est moi qui nous a prié, nous suivre Jésus comme un bizarre. Pas un vrai disciple de Jésus. D'accord? Priez, pour, priez, frères et sœurs. Nous pouvons amener dans sa direction-là. Nous tellement nous pas besoin. Voilà, nous laissons les autres l'équerre. Priez aussi, frères et sœurs, pour que la prédication de l'évangile touche ban l'équerre. Amen. Les cœurs besoin être touchés, mais c'est pas la prédication de l'évangile. Tout ça nous met dans notre cœur là. D'accord, les frères et sœurs? Tu vois, garde lis, priez. Prends ça comme un sujet de prière dans notre vie, parce que ça lui concerne l'Église de Jésus. Amen. D'accord? Et puis là, tous les jours nous prier, nous continuons à prier, nous besoin prier pour la famille. D'accord? La famille. Je te connais la famille. Il y a un cible, ça, pour un cible privilégié pour le diable, ça. Le diable, il attaque la famille, hein. Prends compte dans le frère et soeur. Pas les aller. Non, le diable, pas content la famille. Parce qu'il est là pour détruire tout ce qui grandit de fin de métier. À cause de ça, nous, chrétiens, dans l'assemblée, dans l'église, nous, nous allons prier pour la famille. Amen. Priez pour la famille. Priez pour la famille. Famille là, c'est quoi ça? Famille là, c'est monsieur. Monsieur. Monsieur, madame, non? Voilà, priez, monsieur, madame. Les enfants, non? Pas les enfants là, les hippes là-bas, j'ai dit, les débrouille-toi. Nous prions pour monsieur, madame et les enfants. Amen. Ça, un cercle entre nous, entre famille. La famille, il grandit, ça. Pour la famille, c'est quoi? C'est tonton. Allez. C'est tonton. Tantine, tantine. Après, cousin, cousine, après, grand-père, grand-mère, petits-enfants, priez pour la famille, les frères et sœurs. Priez pour belle-mère, s'il n'y a pas bien belle-mère. Amen. Vos pères, notre confrère. D'accord? Ça, c'est la famille. Priez pour la famille. Amen. Pas délaisse la famille, parce que là, l'ennemi de nos âmes, il fait cibler nous. Sur, eh bien, best God, il va attaquer. D'accord? Qu'on s'en dit à prier.
hein, ce qui vous marie, qui pouvait marier, des autres prier. Une bonne vie de prière. D'accord? Voilà. La parole de Dieu, donc, il montrait, nous prier pour la famille, nous faisons prier pour un foyer. D'accord? Puis qu'il y a un problème de foyer. Il y en a beaucoup de problèmes dans le foyer, je te connais les frères et sœurs. Beaucoup de problèmes, il y en a dans le foyer. Comme un foyer pleurer. Il y en a un combat, la lutte. Tu vois? Alors nous besoin prier pour là, pour les foyers, frères et sœurs. Bon Dieu bénisse autres, bon foyer. Il faut qu'il y ait un foyer, bon Dieu, protège autres, préserve autres, frères et sœurs. Pas les salaires comme ça. Tu vois? Non, prier pour que Dieu, eh bien, dit, préserve le foyer. D'accord? Priez qui dans le foyer, et viens faire ça, le monde n'y va pas rentrer. Amen. Priez pour faire rentrer le monde. Parce que l'esprit de Samonel est contraire ça. Vous voyez, si nous ne pas prier l'esprit du monde, il faut rentrer dans nos foyers. Il faut faire des gars, frères et sœurs. D'accord? Pas mes escasses, l'argent. Non. Nous devons prier pour que le monde n'y va rentrer. Nous devons prier pour que dans nos foyers, il y a la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu, là, délaisse la parole de Dieu, pas qu'on compte mettre de côté. Nous vous en prions, frères et sœurs, faut que nous gardions les valeurs de la parole de Dieu, partage-les avec les autres enfants. Vous voyez, pas les autres enfants, allez comme ça. Pas les autres de Jésus. Pas les autres de la parole de Jésus. Ça, pour faire les autres du bien, et bon Dieu vous protège au foyer. Pas quand on a un problème, qu'il va le prier, hein? Non. Hasta la même, aujourd'hui même. Tous les jours, priez, frères et sœurs, parce que l'ennemi de nos âmes, il est là, frères et sœurs. Tu vois? Alors, eh bien, il est là, il faut faire nous du mal. Tu vois? Pas laisser rentrer, pas laisser à l'esprit du monde là rentrer dans le foyer. L'esprit de sa société là, pas bon du tout pas bon. On va pas le copier aux autres, dire, guette comment les autres peuvent faire. Non, guette ce qu'il y a dans la Bible qui vient faire. D'accord? Bon, je lis ça, mais c'est vrai l'esprit du monde, sa société-là, il a un autre esprit. Priez pour savoir ce qu'il soit là, pas rentrer. Vous pouvez prier, Satan va rentrer, le diable va rentrer, mais l'autre peut rentrer. À quoi ça donc nous prier? Amen. D'accord, frères et sœurs, ben coupe, ce serait une enfant de la paix. D'accord? Amen. Amen. Tous les dimanches, deux ou trois fois par an, nous présentons ben nos enfants. Seigneur, qui nous va présenter? Après, qui est arrivé après. Une seule fois présenté, disparaître après. Je ne veux pas suivre, je ne veux pas suivre. Nous devons prier pour qu'il nous bannent les enfants morts avec mon Dieu. Puis, allez, tu présentes-toi, tu te rappelles, tu présentes-toi, c'est tout. Présentation-là, n'est pas efficace, ça. Nous devons prier pour que vos enfants marchent avec Jésus. D'accord? Nous, chrétiens, nous comptons, non? Nous disons à nos enfants, toi, tu t'appelles David. Toi, t'appelles Ruth. Toi, t'appelles Rebecca. Qui t'appelait encore? Caleb. Qui t'appelait encore? Abraham. Tu hésites dans le nom, maintenant, la figure. Priez, je te mange comme Abraham. Priez, je te dis comme Caleb. D'accord? Comme David, frère et soeur. Mais c'est moi, je ne pas donner notre nom. Dis, mon garçon, va appeler Saül. Il y a ça ici? Il y a des enfants appelés Saül ici? Ben là. Caïn, non? Ben, hein, pas les donner ça. Zidane, non? Tout ça fait, non? On donne ce nom à la Bible, ils vont. On emprunte la Bible, mais priez autrement avec mon Dieu. Amen? Parce que mon Dieu les bénisse, mon Dieu les garde, mon Dieu les aide. Amen? Pas les autres encourager, pas à l'esprit violent qu'il y a dans ce monde-là. Voilà donc quelques requêtes. Eh bien, qui nous les exhorte pour que l'église de Jésus soit une église solide. Amen. Solide et ferme. Et il grandit dans le Seigneur. Et rappelle-t-il qui est le chef de son église? C'est lui. Et que nul n'est indispensable. Amen. À nous bénir le Seigneur ensemble. À nous prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ton enseignement. Merci pour ta parole.